Salut Vickies, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui je vais tout simplement vous parler, je vais vous dire pourquoi j'arrête pas YouTube en fait, tout simplement. D'abord, avant le début de la vidéo, calculez pas mon visage, en fait, c'est que je me suis fait arracher les dents de sagesse. Et de ce fait, ici c'est super gonflé, mais bon, faites pas attention, de toute façon ça va bientôt dégonfler. En fait, il y a pas mal d'entre vous qui ont remarqué que mes vues, ils ne suivaient pas avec mon nombre d'abonnés. Tout simplement, là j'ai 4130 abonnés ou un truc comme ça. Et genre des vues, je vais avoir 30-60 vues sur mes dernières vidéos. Et en soi, ils comprenaient pas trop pourquoi, et moi non plus d'ailleurs. Et en soi, ça fait mal un peu, hein. Ça fait mal, c'est le genre de truc qui pourrait me faire tout simplement arrêter YouTube. Mais j'arrête pas tout simplement parce que j'aime faire des vidéos. J'aime être en face de la caméra en fait, j'aime ça, j'aime parler. Même si je sais que quoi, je vais avoir 10 ou 5 vues, c'est quelque chose qui m'arrête pas dans le sens où j'aime faire des vidéos. J'aime ce que je fais, j'aime montrer mon travail aux gens. Et j'aime ça en fait, tout simplement, j'aime ça. Même si, par exemple, quand on va me reconnaître, on va me dire « Ah, t'es pas Victoria, nanana, tu fais des vidéos sur YouTube. » Bah, ça va me mettre mal à l'aise parce qu'en soi, je suis pas fière de mon travail. Dans le sens où les vidéos que je fais la plupart du temps, je les fais avec mon cœur, je donne tout dedans. Je kiffe faire du montage, le montage, j'aime trop ça. Mais en mode, je le dis pas de manière spontanée. Je vais pas aller vers les gens et dire « Ouais, je suis youtubeuse. » Tout simplement parce que t'es youtubeuse, t'as beaucoup d'abonnés, mais enfin, t'as 20 vues, t'as 30 vues, t'as 40 vues. Enfin, tu veux faire quoi avec ça? Tu veux avancer où avec ça, tout simplement? Et genre, ça fait mal. Ça fait super mal, je vous promets, ça fait super mal. Mais en même temps, ça, c'est parce que j'ai eu une hausse d'abonnés pendant que j'étais dans la sauce, en fait. Ceux qui ne savent pas, j'ai été dans la sauce pendant un moment parce que j'ai eu un problème avec une youtubeuse. Ce qui m'a mis grave dans la sauce et ce qui a fait grave augmenter mes abonnés. Mais en même temps, ce n'était pas des abonnés qui étaient là, comment dire, pour moi, pour mon travail ou quoi. C'était des abonnés qui étaient là seulement pour les embrouilles et tout. Et vous savez très bien que ce genre d'abonnés, ils vont pas être là, regarder de manière consciencieuse toutes tes vidéos, genre ça les intéresse pas. Mais ils restent quand même abonnés et je trouve ça dommage un peu. Si tu veux commencer YouTube, commence pendant l'été parce que les gens ils ont du temps, ils sont grave sur YouTube, ils regardent beaucoup de vidéos. Ça aussi ça m'a fait grave monter les abonnés. Mais après quand le cours de la vie normale est revenu, bah mes vues ils ont baissé, ils sont repartis vers comment dire... leur youtubeur préféré, enfin c'est quelque chose de tout à fait normal, tu vois. Mais ça fait un peu mal parce que maintenant, je fais des vidéos où j'ai l'impression que mon contenu, il vous plaît pas. Alors que enfin, j'ai un contenu grave diversifié. Je fais des tresses, je fais des vidéos haul, je fais des vidéos vlog, je vous présente des bons plans, des astuces et tout. Mais finalement, j'ai l'impression que bah, ça vous plaît pas. Où ça vous plaît plus en fait, tout simplement. Ce qui m'a fait augmenter des abonnés, c'est mes vidéos qui datent en mode des vidéos où je vous apprenais comment utiliser Snapchat plus, ou des vidéos comment je vous apprenais à avoir le wifi partout. Enfin, c'est des vidéos qui datent de super longtemps et je pense que les personnes qui s'abonnent à moi à cause de ce genre de vidéos, ils pensent que je vais continuer à en faire, sauf que bah non, j'ai grandi, mes centres d'intérêt ils ont grandi aussi. Et bah ouais, je fais plus forcément de vidéos high-tech et ça intéresse pas forcément les gens qui sont abonnés à moi, tu vois. Franchement, c'est quelque chose, hey, je vous jure, ça me fait mal parce que genre, j'ai l'impression que tout mon travail sert à rien. Je fais du travail inutile en fait. C'est chiant, mais je vais pas arrêter YouTube dans le sens où j'aime trop ce que je fais. J'aime filmer des vidéos, j'aime être devant la caméra, j'aime parler à mes abonnés, que ce soit sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Snap, mais je vais plus sur Snap. J'aime faire ça en fait, j'aime montrer ce que je fais aux gens, j'aime ça tout simplement. De plus, une autre chose que j'aime trop, c'est en fait, à travers mes vidéos, rencontrer des personnes qui ont le même centre d'intérêt que moi. Des personnes qui aiment les mêmes choses. Et franchement, c'est super bien. Et genre, je sais très bien que si ça n'aurait pas été à travers mes vidéos, c'est des personnes que j'aurais peut-être jamais rencontrées. Et en soi, voilà quoi, c'est un plus à ma vie en fait. Et de ce fait, on ne sait pas de quoi demain est fait.
plus je vais faire les vidéos qui me correspondent, les vidéos que j'aime, plus je vais être amenée à rencontrer des personnes qui sont intéressées par les mêmes choses que moi, et ça ne peut qu'enrichir ma vie en fait. Donc voilà. Donc de ce fait, je vais pas arrêter YouTube, mais en fait, c'est des choses qui font vraiment super mal. Et au bout d'un moment, j'avais plus envie de faire de vidéos, tout simplement parce que j'étais là en mode, ah ouais, mais vas-y, ça sert à rien que je fasse des vidéos, personne va les voir et tout. Et au final, je me dis que bon, je continue à faire des vidéos, même si personne les voit, c'est pas grave. Les vidéos, je les ferai pour moi-même, et puis voilà quoi. En plus, pendant le confinement, vous avez vu, pendant le confinement, j'avais grave le temps pour faire des vidéos et tout, mais j'en avais tout simplement pas la motivation parce que mes vues suivaient pas et ça me rendait vraiment triste. J'étais vraiment super démoralisée, mais par la grâce de Dieu, ça va mieux. Et là, que j'ai des vues ou que j'ai pas des vues, c'est pas grave. Je continue à faire mes vidéos. Même cette vidéo-là, je sais même pas si je vais être shadowban par YouTube ou pas, mais c'est pas grave. Je vais la faire, je vais la poster. Même si j'ai 5 vues, c'est pas grave. Genre, moi, ça me fait plaisir de faire ce genre de vidéos. Enfin, pas ce genre de vidéos-là, mais ça me fait plaisir en général de faire des vidéos parce que tout simplement, c'est ce que j'aime et j'arrêterai pas, quoi. Que ce soit à cause des haters ou autre, enfin, je m'en fous en fait. Pendant un moment, j'ai eu là les haters, mais j'ai eu aussi beaucoup de soutien de pas mal de personnes, notamment de plein d'abonnés à moi. Ce qui montre que même si j'ai que quelques vues, bah, y a quand même des personnes qui sont super présentes sur ma chaîne et qui attendent à chaque vidéo que je poste, tu vois. Du coup, c'est pour ce genre de personnes-là que je vais pas arrêter et je vais continuer à me battre et que ma chaîne, elle va continuer à augmenter petit à petit et tout va bien aller par la grâce de Dieu. Donc voilà, je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne journée ou une bonne soirée. Bisous la famille.